Le calme est revenu dans la commune de la Katouba après la nuit trouble du 19 avril 2020 et une matinée sous tension entre les populations du coin et la police d'intervention. Sur la route, les manifestants ont laissé leurs traces, troncs d'arbres, carcasses de véhicules, projectiles et les ruines d'une infrastructure publique incendiée. Seul bilan des foules en furie face à une police accusée de tous les maux. Personne en tenue militaire. Police. Dans la police, c'est les policiers. C'est-à-dire l'État, ça pour sécuriser la population. En tout cas, c'est un agresseur à la population. Qui sécurise qui? Qui agresse qui? Monsieur Abel Bonaventure est l'un des oncles de Numbi, le jeune homme abattu par des bandits alors qu'il tentait de donner l'alerte pendant un cambriolage en cours à quelques rues de son domicile. On a crié, on a tout été sur et allé à Moutaïba. Elle a respiré. 3-4 personnes, je suis allé récupérer. Je suis allé au baraka. Le docteur a rempli ma semaine. Bien connu du coin, Numbi faisait partie de ces jeunes solidaires dont la plupart sont d'anciens volontaires d'un groupe de surveillance populaire reconnu officiellement lors de sa création, mais interdit formellement de vrai depuis 2018. Cette interdiction n'a pas pour autant enlevé l'élan de solidarité dans un quartier où ces jeunes avaient réussi pendant plusieurs mois à faire régner le calme, comme nous le confirme M. Abel, lui-même ancien coordonnateur. Si il est mouvement le quoi, ça date mars 2018, les octobre 2020. Il est mouvement. Amoukwa, paka mouroukwa, baba bayabo, baba mayabo, c'est que les volontaires beauté. Et réellement, ba mouisha, okazo kanyanga ke fâche. L'année passée, commissaire principal, Jonoumi, à la CMA, pas question. Tu as renforcé, ma jipa, wa policier, nini, mouvement, tu t'en as fait, tu t'en as arrêté. Dernier mouvement, il est chier à parler. Ce dernier accepte de revenir avec nous sur la scène du crime. C'est ici que Numbi a été tué par des assaillants opérant avec une assurance surprenante. Parce que ça va dans le camp, on va pas l'appeler, on va vous pousser là. Voilà, mon chien. Pour les garçons, avec quoi, il s'est pris. Le mode opératoire reste identique. Briser les vitres, percer le mur, voler, au pire violer. Nous retrouvons l'une des parcelles ciblées par ces assaillants. Ici, le traumatisme est encore présent. Le silence pesant traduit la peur persistante de revoir ses visiteurs malveillants revenir à la charge. Mais là, c'est ma femme qui était derrière mon frère et sa femme. On lui a posé la question, qui est cette seconde? Il y a des femmes qui lui dira que non. J'ai seulement une seule femme, c'est Lessie et la femme de celui que vous avez
de vous chercher par les noms là. Alors toi, il habite où? Oh, il est dans la seconde chambre. Allons là-bas, donne-moi l'argent que tu m'as laissé ici. Ils ont cité même le montant. Mais entre-temps, nous, on n'avait rien. Ils diront qu'on vous a donné hier 2 500 $ que nous cherchons. Fort heureusement que ce jour-là, on n'avait même pas 100 francs. Et que nous étions ici à Yende de la famille, où nous allions répondre. Mais notre maman est venue nous visiter pour nous dire qu'aller dormir là-bas à Yende. Nous étions sentis fatigués, nous ne sommes pas partis. Alors à notre retour, quand je dis, toute la journée, nous sommes toujours ici. Et quand vous demandez même la conseil pour se tenir dans mon travail, même si nous n'avons jamais travaillé, s'il y a eu des exercices, c'était de par-ci, par-là. Pour l'État, il n'y a rien qui tourne, ils n'ont pas compris. On a dit, bon, comme ça, quitter devant lui. Ils ont demandé pour la dernière fois, appelle ton frère, s'il ne vient pas, on te visite. Et si on te visite, toi, maintenant il va répondre. Ça m'a blessé. Quelqu'un dit dehors a dit non. Ne parlez pas longtemps. Je vous détermine. Ils sont toujours à deux. Il y a un bronzé un peu gros et un noir un peu mince. Mais ils sont semblables. Maintenant, l'ancien, c'est lui qui est cherché. Il arrive ou bien fusiller celui-là. Quand vous fusillez, son frère sortira. Ça m'a touché au cœur. Je suis présenté. C'est moi que vous cherchez ici là. À part les douilles des balles tirées, ça et là, les habitants gardent encore ce morceau de pagne que se serait couvert le seul civil parmi les bandits armés qui, visiblement, connaissait mieux les itinéraires. Un indice précieux qui aurait pu servir si la police judiciaire avait pris le soin de faire son travail, celui de mener l'enquête. Ce drame dont le bilan humain fait état d'un seul mort et 3 blessés par balle réveille l'épineuse question sur la coordination des opérations sécuritaires entre les autorités civiles et politico-militaires. Étant la plus haute autorité de cette entité, c'est auprès du bourgmestre que nous estimons avoir réponse à nos questions. Mais vu l'absence très prolongée du bourgmestre titulaire, nous allons nous contenter des réponses du bourgmestre adjoint. Émile Kalwinda, visiblement outillé pour. Cette interview a duré 30 minutes avec des questions précises sur la suite des événements. Donc jusqu'au mois de mars, nous avons remarqué qu'il y avait absence de ces éléments sur le terrain il y a de cela 2 mois. On n'a pas compris la raison. Ils ont été rappelés par leur chef ou autorité militaire ou soit policier dans leur caserne. Les raisons, les connaissons. C'est ainsi que ceux qui ont l'habitude de mener ces histoires de banditisme ou de criminalité ont vu que le terrain était vide, qu'il n'y avait plus personne qui pouvait sécuriser la commune. Or, en son temps, il y avait vraiment de la calmie totale sur l'étendue de la commune. Alors. Il n'y avait plus rien comme bandits, soit de voleurs, et ainsi de suite pendant la nuit. Parce que les patrouilleurs étaient bien outillés. Vous avez dit pourquoi est-ce qu'on vous a enlevé ces unités? Il n'y avait pas de raison. Il n'y en avait même pas. Parce que quand je me suis défendu, j'ai dit ce que je viens de vous relater ici. Son Excellence, d'abord le général de la police, lui a dit oui. Parce que quand j'avais dit, il y a des patrouilles pédestres. Et les patrouilleurs qui descendent sur le terrain, hein, quand ils font leur déploiement là, nous ne sommes pas informés. On ne sait pas qui sont sur le terrain, ils opèrent comment et ils sont dispatchés comment dans notre commune. On ne le savait pas. Et là, c'était lui, il a raison de le dire. Parce que tout vient de la hiérarchie. C'est de là qu'ils établissent leur programme. Nous, là, on ne connaît rien. Ils peuvent être associés avec 20 éléments de la FARDC que nous sommes ignorants. Ils n'ont pas avancé la raison qui pourrait dire que non, nous avons récupéré les agents parce que, ou nos éléments, parce qu'il y a eu ça comme habit, non. Alors, est-ce qu'il fallait que vous attendiez qu'il y ait des dégâts comme ça pour maintenant faire rapport? Est-ce que vous aviez fait rapport que vous manquiez des agents sur terre? Tout à fait. Parce que chaque fois quand il y a un problème, on informe directement. On ne peut pas attendre. Parce que si vous attendez et que le pire venait par après, ça va retomber sur vous. Est-ce que le bourgmestre en Achouka, quand Job sensibilisait Bantou, est-ce que le bourgmestre est un homme de terrain? Question. Oui, par exemple, il y a même un rapport qui vient de partir. Hier, j'étais au quartier Kapunano, avec la même population. Kapunano est musulman. On a été. Balé Banakoufa, où est-ce que vous y êtes allé? Non, au coup, tu peux aider parce que tu es au gouvernement. Tout le monde a rien à gouverner. C'était 11h à 15h. Et le lendemain?
problème de Saint-Martin. Réellement, on n'est pas parti parce qu'on devait recevoir les familles concernées, quoi. Après, pas comment les guider, comment ils peuvent attraper, en fait, atteindre le gouverneur, le ministère de l'Intérieur, on a guidé, mais il est censé. Parce qu'on ne peut pas tomber en bas pour seul. Donc, des blessés, quoi, comme on dit. On peut pas blesser, on peut pas blesser. Comment s'appelle le monsieur qui est décédé? Est-ce que vous avez une idée de son nom? Malheureusement, non. Je connais seulement un qui répond au nom d'Armand. C'est ce que j'ai compris. Au lendemain des échauffourées, la présence des FARDC a été visible dans la commune de la Katouba et plusieurs questions restent pendantes sur la coordination de ces opérations avec la police locale et les autorités civiles. Entre-temps, d'autres questions persistent encore. Qui a cambriolé les habitants de la Katouba? Qui a tué Numbi? Qui a détruit les bureaux de la direction des recettes du Haut-Katanga? Pourquoi et comment? Prétendre à une paix durable dans la ville de Lubumbashi, c'est tout d'abord et surtout se dresser contre l'impunité sous toutes ses formes.